Allez, je vais te montrer comment mettre un collier sur un tubage au-dessus d'un boisseau. Alors, c'est très simple. Déjà, il te faut un collier, tu vois, du diamètre du tube en inox. Ok, tu arrives au-dessus de ta cheminée. Et là, une fois que tu as mis ton collier, regarde. Alors, tu vas venir prendre une clé plate. D'accord? Une clé à cliquer. Et tu vas venir serrer. Alors, faut pas serrer comme un abruti. Regarde. Tu vas venir serrer. Alors, moi, c'est ma méthode à moi. Non, tu vois, je serre, je serre, je serre, je serre. Et tu vas voir. Voilà. On y arrive, on y arrive. Voilà, hop. Dès que tu commences à voir que ton flexible fait ça, tu vois la petite bosse là, tu arrêtes de suite, d'accord? Parce que tu peux percer le flexible. Donc vraiment que ton flexible, tu vois, dès que moi c'est ce que je fais, dès que je vois à peine la petite bosse se faire, tac, j'arrête. Alors ensuite, une fois que tu as bien serré, tu vois, ton collier, que tout est carré. Soit tu prends une disqueuse et tu viens faire deux entailles ici pour arriver avec ton collier à ras de ça, d'accord, ou en dessous. Et moi là, tu vois, je vais prendre un petit marteau, je vais faire une encoche, tu vois, et regarde. Voilà, je vais faire la même chose ici. Faut y aller doucement, hein, bien sûr. Et voilà. Donc tu vois, quand tu regardes comme ça, mon collier est vraiment en dessous. Il est serré et ça ne bouge plus. Il est calé ici. Tu vois. Et ensuite, eh bien, tu viens mettre soit ta plaque de finition haute ici, ou alors, eh bien, comme moi. Tu vois, je vais venir mettre cette plaque-là parce que j'ai une rehausse de boisseau à installer. Allez, si tu veux plus de vidéos, mets des cœurs et des commentaires. À la plus.